Absolument. En vrai, j'en parle pour les personnes que... Là, fait qu'on a une bonne circulation, ça fait des airs d'intimité. Avec une résidence, l'idée, c'est qu'une équipe multidisciplinaire externe de l'enjeu vient sur place, sur le site, pour pouvoir, de manière neutre, aider des gens qui sont intéressés à pouvoir avancer ensemble une démarche. Donc, ça peut être toutes sortes de différents enjeux. Ici, l'enjeu, c'est par rapport au futur du site Saint-Marc. Donc, notre rôle est de tenir un processus dans lequel tous les gens vont trouver une place, puis une voie, puis un moyen de pouvoir, selon leur spécificité, contribuer. Oh, yeah, it's essential. And we all have overlapping and complementary skills, as well as individual skills that kind of, you know, one person hasn't got, we can go to the other person and they have those skills. And so for a project of this size and this complexity, it's really important to have such a strong team with many, many skills. On est sur place, on est sur le site. Pendant une bonne partie de la journée. Donc ça permet d'un côté de s'imprégner des lieux, parce que c'est un lieu quand même assez impressionnant, cette église. Donc le fait d'y passer plusieurs heures, ça fait aussi qu'on sent un peu plus l'atmosphère de l'endroit, puis on se familiarise aussi avec la vie du quartier. Et ça permet d'ouvrir l'espace pour que les gens qui passent, qui voient la porte ouverte, puissent entrer, puissent demander un peu, essayer de comprendre ce qui... Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent parce que généralement les portes de l'église étaient fermées depuis un bon bout de temps. Et là, le fait de voir la porte ouverte, rien que ça attire leur curiosité. Et ils rentrent et c'est là qu'ils découvrent, pour plusieurs, c'est de cette façon-là qu'ils ont découvert le processus de l'Imaginons Saint-Marc finalement qui était en train de se dérouler ici. Faire un centre, peu importe le nom, quelque chose qui permet à tout le monde, tous les groupes sociaux, de se rejoindre ici, disons, une fois par mois ou une fois par trimestre. Donc, les personnes âgées, les personnes seules, les gens moins riches, les yuppies, les gens plus riches, les petites familles, et d'essayer donc de se casser un peu la tête pour voir qu'est-ce qui rejoindrait, quel genre d'activités font que tout ce monde-là peut se côtoyer. L'idée de croisement de différents groupes sociaux dans un lieu. Mais comment faire pour que ce ne soit pas 18 salles de différents groupes qui répètent et qui ne se croisent pas. Comment faire que ce lieu, même si ces 18 salles existent, s'organise autour d'un espace commun où les gens se croisent et s'arrêtent. Les gens vont y venir, en tout cas les gens du quartier, parce que ça va être un lieu d'appartenance, un lieu où il se passe des choses qui sont intéressantes, où on a envie d'être. Je pense que ça, c'est une motivation pour les gens à venir. Fait que moi, ça me parle, parce que je trouve ça important que ce soit quelque chose qui soit... qui répondent à un besoin de rassemblement, de collectif, et donc ça devient un lieu d'appartenance par ce fait-là. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est déjà la réappropriation des lieux publics par le citoyen. Donc, la réappropriation des villes, de toutes sortes de bâtiments, de reprendre un peu le pas sur l'espace privé. Nous ici, en faisant le pont entre les citoyens, entre les promoteurs, entre les idées de l'un et les idées des autres, on aide, on facilite la convergence. Donc ce que ça apporte, voilà, c'est du lien. C'est aussi au cœur du projet, cette volonté d'être accessible, de se rapprocher des citoyens, de rapprocher deux parties. C'est ce qui nous permet, la résidence. La résidence nous permet de faire ça, quoi. En étant là, présent, en ayant les portes ouvertes, en rencontrant les personnes, comme tu disais tout à l'heure, on peut être accessible. Mettre les citoyens au cœur du design de la chose, donc de faire du co-design avec les citoyens. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'on essaie de mettre en action, et c'est ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est d'avoir des séries d'activités qui mettent,
qui ne disent pas aux gens, voici ce qui pourrait être fait, voici ce que, le rôle d'expert, inverser le rôle d'expert, mettre l'expert comme accompagnateur, non pas comme la personne qui sait quoi faire, amener le citoyen à pouvoir prendre des décisions sur sa vie, mais aussi en design de sa vie. Et donc, pas juste être un acteur passif qu'on consulte, mais quelqu'un qui est dans l'action, qui dit « j'aimerais que ça puisse être ça ». Et c'est sûr qu'il y a toujours le défi du individuel et du collectif là-dedans, mais ça se négocie aussi dans les rapports, dans les échanges. Donc, créer un espace de conversation autour de l'Église Saint-Marc. Et de cette conversation-là, de faire identifier ses points forts, les points sur lesquels les gens s'entendent. Finalement, c'est faire un projet basé sur des valeurs citoyennes. Puis de ces valeurs-là, que ça soit incarné dans le lieu, dans ses développements futurs. On est dans l'émergence d'idées de projets. Donc, de projets pour occuper l'espace. Pour le site. Pour le site. Moi, je vais revenir, peut-être, ce serait bien que je revienne à la question de fond derrière tout ce processus, qui est de quoi aura l'air le site Saint-Marc, pas juste l'église, mais le site Saint-Marc, transformé en espace ouvert aux citoyens. Alors, pour arriver à cette étape de décider qu'est-ce qui va se passer et ça implique quoi, ça prend une étape de vision, de rêve. Et souvent, c'est l'étape qui est le plus difficile pour les gens de franchir parce que on a tous tendance à s'appuyer sur le pratico-pratique. Ben, qu'est-ce que ça va coûter? Comment est-ce qu'on va faire telle chose techniquement? C'est quoi la solution? Il y a des solutions pour à peu près tout. Pas tout, mais si on commence par la grande vision, ça laisse respirer le projet, puis ça s'en va dans une direction que les gens peuvent adhérer. Si on veut faire de l'innovation sociale, on est obligé de se donner ces plages de rêve. Et ça fait partie d'une résidence. C'est pas rêver dans le vide. Il y a un cadre avec ça. On a des valeurs. On va faire des études techniques. On va parler de l'argent après. Mais est-ce qu'on peut donner cet espace pour rêver? C'est la seule manière d'arriver à l'innovation sociale. Ben, espace social de rêve, ça peut être un espace transversal à toutes les, parce que ça peut être soit vu comme un projet, comme distinctif qui cohabite avec d'autres projets, ou ça peut être aussi une manière de voir l'ensemble, tu sais, bref. Il y en a un que j'ai manqué après, le travail coopératif. Salle de spectacle, modulaire. Ça entend comme ça. Ben, comme ça, il rentrerait dans une catégorie, puis on en aurait moins. Oui, ben, je suis d'accord. On parle d'interculturel, en fait. D'intergénérationnel également, ce serait tout. Là, le multi, en disant citoyen, on veut tous les citoyens. Que les murs soient transparents, que les gens qui passent voient qu'il y a une répétition de théâtre, voient qu'il y a une répétition de danse, voient qu'il y a un cours de musique, un cours de danse, un cours de cuisine. Moi, c'est ce qui me motive là-dedans, c'est la démarche de pouvoir toujours donner du possible aux gens. Pas des choses fermées, pas dire c'est ça qui se fait, c'est pas l'aspect côté tranchant de dire c'est comme ça qu'on fait les choses. Il y a plusieurs manières de faire les choses et de pouvoir donner ces espaces de possible. Alors, le projet Saint-Marc ici est stimulant, puis globalement, parce qu'on est en train d'ouvrir un espace de possible. Tout le monde est invité à venir partager ses idées, que ce soit les citoyens du quartier, mais même des citoyens qui se promènent par hasard, qui voient la porte ouverte et rentrent, sont les bienvenus. Parce que quelque part, c'est une réflexion collective, puis c'est une réflexion qui peut s'étendre de façon beaucoup plus large. De pouvoir se marcher librement, aller au-delà de la balustrade, peut-être s'aventurer dans la sacristie. Ce sont des choses que les gens ne peuvent pas faire normalement quand ils viennent le dimanche. Donc oui, toute la semaine, ça continue. Il y a des jeunes, il y a deux petites filles qui sont venues à l'heure du lunch. Les portes étaient ouvertes, elles sont venues dessiner, elles sont revenues avec leurs parents à la fin de la journée. Puis, en bout de ligne, c'est la réappropriation du lieu. Elle a déjà commencé, encore une fois, avec une porte ouverte. Je vais faire pendant la scène des scènes. Des quoi? Des scènes. Non, moi, je vais refaire un petit peu. C'est comme à la ronde. J'ai eu mon dessin.
aussitôt qu'on commence à parler de l'appropriation du lieu, de partir d'un lieu cultuel vers un lieu communautaire, un lieu citoyen, qui est une transition naturelle essentiellement, là c'est là où on arrive, on commence à faire entrer les gens vers l'intérieur et la découverte de ces éléments prend tout un autre sens. Un espace de jeu, escalade, trampoline, trapèze qu'on a un petit peu symbolisé ici. Paul avait parlé d'une bibliothèque pour lui, donc on a pensé à une éco-bibliothèque qu'on a mis sur les côtés. Pour madame, ce qui était vraiment important, c'était la qualité de l'espace, du son, de préserver le son, le cacher. Donner accès à tous les éléments qui sont ici en hauteur, le sous-sol, par des accès directs depuis l'intérieur de l'église ici. Donc soit en créant des ouvertures circulaires, qui ici donnent avec comme des escaliers en forme d'amphithéâtre, donc ça fait comme un espace pour s'asseoir, où on peut descendre directement au sous-sol sans avoir à passer par des escaliers petits et dans les raccoins de l'église. Donc de trouver une dynamique, une synergie par rapport à l'extérieur, par rapport à tout cet espace qu'on a. Pas se penser juste à l'église. Donc l'entrée ici, qui on rentrerait par le côté, nous permettrait de déplacer puis d'avoir le centre, si on veut, avec cet espace qui est dehors, comme la petite cour où il y aurait peut-être un terrain de jeu, etc. Il y a un deuxième étage qu'on, tu sais, je trouvais ça intéressant de, tu sais, qu'on pourrait, il y a d'autres salles qui pourraient apparaître sur cette pièce-là. Donc, on reconstruit une architecture à l'intérieur de cette architecture-là. Donc, ce même geste de modularité qu'on recompose les espaces. Et il y a des espaces qui seraient plus permanents, qui pourraient être les espaces de bureaux partagés et tout ça. Je pense que pour faire n'importe quoi dans la vie, il faut rêver aussi. Sinon, on continue comment? C'est quoi notre motivation pour continuer? Donc, on reste toujours les pieds à terre dans le sens que l'intention de tout ce processus, c'est de faire un vrai projet. Donc, faut que ça tienne, faut que ça ait des fondations. On est en train de bâtir les fondations actuellement. Mais les fondations sont des rêves. On va avoir un enchaînement d'activités pour aller vers, non pas encore là, un projet fixé d'avance, mais un projet qui soit très, un peu comme les vitraux, plein de couleurs. Et pourtant, quand on regarde un vitrail, quand on les regarde chaque petite pièce, on dit oui, c'est une petite pièce finie, entourée de plomb, très solide, qui la tient. Mais quand on regarde l'effet, quand le soleil rentre dans le vitrail, tu as vraiment un effet de projet composite avec toutes sortes de couleurs. Mais je pense que c'est un peu ça Saint-Marc. On essaie d'avoir une espèce de projet qui soit vraiment axé sur la multiplicité de petits projets qui s'assemblent ensemble dans un espace pour donner une espèce de couleur. Fait que c'est un peu l'idée. Pour moi, on est en train de commencer à dessiner le terrain de jeu, la forme générale du vitrail, puis on ne sait pas c'est quoi les formes intérieures.